comme j'ai dit, j'ai vécu le cas. Et donc, jusqu'à présent, c'est comme des séquelles à moi. C'est vraiment une atteinte même aux droits de l'homme. C'est une atteinte très grave aux droits de l'homme. Les médias ont été préparés à faire des reportages dénonçant des tentatives ou des cas d'excision. Le système judiciaire a été largement mobilisé pour appliquer, d'abord comprendre et appliquer les différentes dispositions de la loi. Et les populations disposent d'un numéro vert pour dénoncer des tentatives ou des cas d'excision. Les changements sont notables au Burkina dans la lutte contre l'excision. En 2006, il y avait 25% de filles excisées entre 0 et 14 ans. 4-5 ans plus tard, en 2010, il n'y avait plus que 13%. C'est ce qui nous permet d'affirmer qu'il y a eu des changements et des changements en profondeur.